Bonjour à tous, c'est Mastercraft Gaming. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, cette fois-ci sur Black Ops 2. Je suis en compagnie de LeMessi04, moi on ne pouvait pas l'entendre et lui non plus, hein, désolé. Et donc, aujourd'hui, on va vous montrer comment sortir de toutes les maps, donc vraiment toutes, 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 à l'aide d'un Dragonfire. Donc, il faut déjà dans la série pour avoir un Dragonfire. Et faut vous mettre en équipe Seal, vous et votre ami. Donc, moi je suis là, voilà. Vous et votre ami. Et je crois que c'est tout. Ah oui, il faudra aller dans Code TV, donc je vous montrerai, je vous ferai part de dans la description, donc Code TV et tout ça, dans la description. Donc on va commencer tout de suite ce glitch. Donc c'est très simple, hein, vous ne vous affolez pas en voyant les équipes qu'il faut avoir, tout ça, c'est très facile. Donc là, là je vais vous montrer la partie du tuto pour celui qui n'a pas de Dragonfire, et après je vous montrerai la partie pour celui qui a le Dragonfire. Donc là, mon ami va se mettre en équipe mercenaire. Voilà, il est en équipe mercenaire. Il va prendre les deux drapeaux. Donc il capture les deux drapeaux. Il capture les deux drapeaux. Voilà. En fait, le deuxième drapeau qu'il va prendre, il est buggé grâce au code TV. Donc il va avoir le Dragonfire de suite. Donc maintenant qu'il a le Dragonfire, il va le mettre dehors. Donc il le met hors de la map. Donc là, quand il est hors de la map, vous allez mettre pause, changer d'équipe, mercenaire. Là, vous faites rond. Changer d'équipe, Isa. Et là, vous réapparaissez. Et vous serez donc hors de la map. Donc là, mon ami va faire exploser son Dragonfire. Voilà. Et maintenant, il va faire la manipulation que je vais vous montrer. Voilà. Donc là, il n'a pas d'arme, mais si vous voulez qu'il ait une arme, il va aller en équipe mercenaire. Donc vas-y, va en équipe mercenaire. Voilà. Il va en équipe mercenaire, et là, donc, il a son arme. Donc ça, c'était la partie tuto pour celui qui n'a pas le Dragonfire. Et tout de suite, je vais vous montrer comment faire la partie qui a le Dragonfire. A tout de suite. Voilà, donc on se retrouve là pour la deuxième partie du tuto. Donc je vais vous montrer pour celui qui n'a pas le Dragonfire. Non, pour celui qui a le Dragonfire, excusez-moi. Donc là, il faut vous mettre en équipe mercenaire. Vous suivez quoi classe? Là, vous serez donc dans l'arme, donc vous serez un peu buggé. Mais dès que vous courez, ça va s'enlever de suite. Regardez. Voilà. Je cours, ça s'enlève. Donc là, vous prenez les deux drapeaux. En fait, je vais faire la manipulation qu'a fait mon pote tout à l'heure. Donc je prends les deux drapeaux. Attendez. Voilà, vous prenez les deux drapeaux. Regardez, il est buggé. J'ai mon Dragonfire. Je vais donc mettre le Dragonfire à l'extérieur. Voilà. Là, mon pote va se mettre en mercenaire, puis retourner en Isa. Donc, ce que j'ai fait tout à l'heure. Voilà. Et là, regardez. Il est là. Donc, vous explosez votre Dragonfire. Et là, vous allez aller dans changer d'équipe, Isa. Et vous réapparaissez. Donc, vous n'aurez pas votre arme. Donc là, si vous voulez avoir votre arme, comme tout à l'heure, vous allez en équipe mercenaire. Et vous réapparaissez. Donc ce glitch est très facile, vous voyez, ça marche vraiment avec toutes les maps. Vous faites ça dans toutes les maps, vous pouvez aller monter sur les toits, sur voilà, vous pouvez vraiment aller partout. Voilà. Quand vous êtes entre amis, vous voulez les troller, sortir dans la map et les tuer. Donc franchement, c'est vraiment sympa. Donc voilà, donc je vais vous laisser. Voilà. Voilà, donc je vais vous laisser aujourd'hui. Donc j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker et à vous abonner. Allez, ciao tout le monde!